DGM, Direction générale des migrations, situation migrants haïtiens en conditions irrégulières au Pralpire en la République Dominicana, après déclaration directeur migration dans Benancio Alcantara Valdez. Malgré un pile tentative pour retirer la tête migration, mais Abinadel, le président dominicain, qualifié M. Saha comme personnel de l'année. L'Ipakwe Guillaume, l'autre monde qui a remplacé Alcantara dans tête migration, qui a bâillé plus garantie. Benancio te profite by bilan migration pour année 9 là. Et félicité à Jean-Yo à condition nouveau corps spécialisé anti-migration. Non, tape frappé. DGM, toujours Direction Générale des Migrations, rapatrié 8977 migrants en condition migratoire irrégulière. Et pour seulement mois janvier, la majorité nan yo se nationalité haïtien. Rapatriement sa ou fait dans plusieurs opératives qui étaient réalisées, sorti de pour arriver 15 janvier 2023 dans Santo Domingo, Santiago, La Vega, Oharabacoa, Dajabón, Elias Piña, Jimani, Pelenales, Berenito, Los Pirones ou bien Tipilon, Jean-Haïtien au Condilla, et quelques autres villes pour ne citer ça seulement. Déportation pour la Pirède dans Jou Cap Vignan, malgré un pile patron a manifesté cause par Gemano de Obla haïtien. De l'autre côté, un patron a commencé à prendre gros décisions pour capable aider Haïtien à vin légal. Migration, bonne nouvelle, une nouvelle qui baille en pile quelque temps avec nationalité haïtienne. Un nouveau processus pour bailler papier avec migrants haïtiens en la République Dominicana. Et en pile haïtien commence à recevoir papier déjà dans un nouveau processus. Ça, selon l'institution, c'est une façon pour payer illégal rester sous sol dominicain. Après nouveau processus ça, tout le monde qui est en condition migratoire irrégulière en la République Dominicana y a obligé de déporter. Mais ça apprend après ancien directeur migration Enrique Garcia a venu avec IDSA déjà que tout le monde songeait IDSA était bloqué, il pas capable de passer. Et pour les habitants frontières et tant coup patron avec organisation qui estime migration empêcher au travail. Yo cherché une entente et pour yo légaliser haïtien qui entrer travail et puis retourner. Document ça valable seulement pour département côté yo à vivre là, côté yo à travailler là et pour ce qu'il est. Cependant, dans un premier temps, directeur migration de Benancio Alcantara, actuel directeur migration de Benancio Alcantara était fâché avec décision ça. Il était trouvé qu'il était illégal, mais selon article 6 loi 245-064 migration, haïtien sa yo est capable de recevoir document yo sans problème. Yo situation qui paraît compliquée en la République Dominicana qui capable mettre autorité dominicaine yo dans gros problème côté gouvernement dominicain a caché nouvelle ça yo pas vle baili ça capable mettre dans problème avec international là bien que nous pas gain autorité en Haïti vraiment cap défendre haïtien en la République Dominicana mais situation capable aller plus loin côté ta gagné 5 haïtiens qui t'a trouvé yo en bas des combats dans pays dominicain pendant terremoto mercredi 18 janvier 2023 et dans business multimuebles dans La Vega. La vie haïtienne traité plus mal Québec en la République Dominicana. Une nouvelle qui bat en pile tristesse à quelques bons samaritains dominicains côté autorité dominicaine yo a caché quantité haïtien aussi bien haïtien qui était dans business si là qui était en bas des combes. Selon quelques témoignages moun nan environnement, il y a 5 haïtiens qui tap travail nan remodernisation et des qui sorti mais protection civile pas fait moyen pour retirer reste 3 haïtiens sa qui arrêté en bas des combes. Yon l'autre côté autorité yo fait konnen et pas gen distinction nan protéger victime yo, pas gen question de nationalité. Pas une question de nationalité. Restez suivre toute vidéo, nous pourrons expliquer au bagaille plus bien calé comme ça. Une nouvelle qui continue à mettre souris sous lèvres migrants haïtiens qui vivent dans la République Dominicana, précisément haïtiens qui gagnent un petit canet pour une régularisation. Non, ça qui gagne un troisième statut migratoire et qui expire depuis l'année 2020.
à cause le problème l'état payant moun ki pa gen passeport ki pa capable renouveler papier ça ou comme ça gen retour ki pa décider renouveler mais migration continue avec process là yo permet yo pour yo capable continuer renouveler papier ça yo sans passeport ou bien renouveler li avec passeport qui expiré seulement faut chercher un avocat migration qui pour aider yo. Et c'est tout ça qu'on prend essentiel que nous pour la partager avec une habileté information jeudi et vendredi 20 janvier mes amis dans décembre toujours 20 janvier 2023 restez suivi toute vidéo avant commenter laissez un commentaire là bien plus bonjour la famille bonsoir avec tout haïtien qui suit nous et peu partout spécialement haïtien qui suit nous la République Dominicana Chile Mexico États-Unis, Haïti, Brésil, une salutation spéciale pour nous et haïtiens qui vivent dans l'autre côté ou même qui peuvent abonner ensemble avec la plateforme ça, abonner avec les coulis, partager vidéo sur tout groupe WhatsApp, Facebook, Telegram, etc. Et une nouvelle qui baille en pile quelque temps avec haïtien yo. Et côté migration, il y a un nouveau processus qui prend pour capable bail migrants haïtiens qui vivent dans conditions irrégulières dans la République Dominicana papier et les gagner et puis haïtiens qui commencent à joindre dans papier ça ont commencé bail là déjà et pas oublier que c'était un processus qui était commencé déjà sous ancien directeur migration qui c'est Enrique Garcia côté de commencer bail papier avec un pile monde sous frontière mais papier ça yo pas continuer avec lui et parce que dit tu gagne des ordres et haïtien tu as fait des ordres donc problème politique t'est empêché papier ça continuer mais il aurait commencé avec lui encore gagner yo quantité haïtien qui déjà joindre papier et dans plus détail nous pour l'expliquer comment qu'il y est. Et non seulement ça yo, alors c'est une façon yo faire pour haïtien capable parité illégal sous sol dominicain mais c'est une décision qui prend entre patron à patron dominicain ensemble avec quelques organisations qui estiment que yo mal pour travail par rapport avec quantité et par rapport avec quantité façon que migration lui-même y a travail ou bien entre prend haïtien non et dans Fikyo mais plus c'est pour monde qui travaille dans zone finca dans zone andio donc patron ça au baoul mon gros espace pour capable circuler avec direct nouveau directeur migration ou bien actuel directeur migration non bien sûr Alcantara monsieur pas d'accord mais selon article 6 loi 265-04 migration non il est obligé accepter le mais directeur migration lui-même il continue pour être capable bail bilan travail qu'il fait bien que il y a pile condition qu'a fait pour être capable révoquer mais président dominicain Luis Abinader pour que j'aime d'accord pour être capable révoquer monsieur n'a pas continué les gars directeur migration directeur général migration non et fait connaître mercredi ça li pas autorisé livraison permis et permis à travers quatre bails producteurs agricoles dans Darabong et pour permettre document ça bail citoyen haïtien capable fait travail agricole dans ferme à terrain dans zone non. Institution dit que li a mené enquête sous situation alentour yon soi-disant livraison 4 que lui-même li t'attendait qui est agi en association cultivateur ou t'apprend ou bien producteur agricole pour capable bay quelques monde de coup travailler yo papier monde cap travailler li pas li pas reconnaître. Li dit toujours lui-même à travers une note la presse chef migration non bien sûr Alcantara li dit les désavoué n'importe officiel institution ou soit monde qui a fait qualité action ça sans consultation et parce que d'après ça lui expliquer politique migration au gouvernement a appliqué à et yo doit respecter yo fait dans une façon transparent objectif atteindre cadre respect pour la loi et règlement yo. Et toujours lui-même, directeur migration, qui a parlé, il fait qu'on est article 6, loi 285-04 qui gouverne l'immigration à travers direction générale des migrations, interdit n'importe institution dans le pays à autoriser étrangers qui sont sur territoire national là pour y transporter légalement la loi, seulement pour y transporter légalement. La loi seulement autorisé direction générale des migrations. Initiative ça pour bail 4 à étrangers haïtiens qui viennent cultiver. Attendez bien, pour bail 4 qui 4 là c'est permis, on permis avec étrangers haïtiens qui viennent cultiver terre producteur à propriétaire terrain et puis aller dans pays c'est illégal et puis pas aucune validité légale.
Et pas oublier que papier ça, yo bay la, c'est seulement pour yo capable fonctionner dans l'espace ça qui yo bay. Migration a livré et 4 bay haïtiens qui fait business dans province frontière migration, frontière dominicaine. Migration a fait livrer à livre 4 bay haïtiens qui fait business dans province frontière Alcantara et spécifié que yo a mené enquête sur réalité à au soir ou pas dans au soir pendant information ça qui te vinn dans lumière et dans quelques médias ak réseaux social et côté li te établi que identification au soir permis au pral seulement et strictement valable dans niveau municipal là et puis yo pral occupé ak responsable par patron yo d'après lui-même pour vous faire connaître et puis directeur général migration non Benancio Alcantara Balès de fait clair que mission président Abinader a été confiée pour appliquer à exécutif politique migration gouvernement pour le fait dans cadre transparence équipe respect intégrité à droit moun Jean ça établi dans loi dans moment loi migration non qui c'est 245-04 qui gouverne nos affaires ça affaires migration. OK, moi prendre mais j'en ai regardé là dans photo là, c'est photo ça c'est papier qui au bail là. DGM direction générale de migration, situation migrants en condition irrégulière pour la pire de la République Dominicana après déclaration directeur migration non Benancio Alcantara Baldés. Malgré un pile tentative pour retirer l'île en tête institution SILA, mais président dominicain qualifié M. Sa comme personnel de l'année. Li pa kwen yon lot moun ki kapab remplase li, ki ta kapab travay menm jan avèk prezidan sa, ki kapab plus garanti ke direkte migrasyon. Benancio Alcantara li menm, bon kote pala, li profite pou bay bilan e ane nef la, e li profite felicite ajan ak kondisyon nouvo kor spesyalize anti-migrasyon. Nan, DGM rapatriye 8977 migrant en condition migratoire irrégulière. Et pour seulement mois janvier, la majorité nan yo c'est nationalité haïtienne. Et rapatriement ça a été fait en plusieurs opératives sorti de privé 15 janvier 2023 et dans plusieurs villes dans République dominicaine. Et puis il profite pour voir un message bay haïtien pour le faire connaître il profite yo continuer pour monde qui gen ti carnet plan de régularisation qui pas ko renouveler yo bay accès yo capable toujours renouveler avec passeport expiré ou bien sans passeport mais pour yo capable conserver place dans système non mais ça va veut dire qu'il y a joini à sans passeport il faut que dégage ou faire passeport pour capable joini mais après ça parce que document ça pas valable encore pour année 2023. Directeur général migration non Benancio Alcantara répété engagement li pour renforcer politique migration yo ak renforcement action institution te fait pour contrecarrer migrants irréguliers dans République dominicaine. Alcantara assuré que li se yon mission assigné dans institution qui dirige faire respecter la loi ak règlement yo concernant année qui fait commencer et nan qui te dit que li fait arrangement pour augmenter action routine qui te fait dans route géographie transport irrégulier étranger yo li te bay comme exemple entre 2 à 15 janvier gen environ 8977 étrangers qui t'a arrêté ak rapatrié. Gros majorité là dedans c'est haïtien et qui dans condition migration irrégulier dans pays a ça qui montre résultat interdiction qui fait chaque jour et li qui li assuré yo pour le continuer. Mes amis, mes ajouts ici en espagnol m'a traduit en créole. Selon Guido Gomez qui parlait pour suspendre détention préventive Jean-Alain Rodriguez à travers une note pour la presse direction générale et communication institution publié li fait connaître opération fait en coordination avec force l'armée
à force la meilleure avec la police nationale là en bas coordination avec la supervision équipe interdiction migration qui fait créer pour accompagnement action ça yo et puis assurer que yo fait dans cadre respect à garantie pour intégrité moun respecter accord international yo la loi ak règlement actuel yo. La continue chef migration de Benancio Alcantara Baldes te répété que action yo a publié en conformité à la politique migration yo encouragé par gouvernement supérieur qui dirigé par président dominicain Luis Abinader. Yo te fait arrestation étranger illégal nan jou et qui te sorti entre 2 à 15 janvier 2023 sous environ 8977 étrangers illégaux qui étaient faits dans Santo Domingo, Santiago, La Vega, Jarabacoa, Dajabón, Elias Piña, Jimani, Pendenales, Berenito, Los Pilones, tant que j'ai essayé de vous dire, Tipilon, et parmi l'autre ville, toujours, etc. En ouïté dans ça ou seulement, c'est Mounsao Yota déporté selon Direction Générale Migration Benancio Alcantara Baldes. Yon situation qui paraît floue en la République Dominicaine côté gouvernement dominicain capable d'un gros problème côté G international a déjà fixé sous actualité ça qui passait en République Dominicaine côté gouvernement dominicain lui-même lui déjà a caché ça et nouvelle là sorti à clair malgré ça il y a pile médias qui travaillent pour gouvernement qui déjà caché le yo pavle que moun konnen ta gagné 5 haïtiens côté des 5 haïtiens qui ta et trouvé yo en bas des combes pendant dans République Dominicaine dans moment et terremoto qui était passé mercredi 18 janvier 2023 et côté gagné yon business qui c'est business multimeubles dans La Vega qui ta tombé plate sous des 3 étages. Et côté ça, tu as fait connaître ta gagné 5 nationalités haïtiennes qui étaient là-dedans, qui t'a travaillé dans remodernisation. Mais tu as gagné 2 qui sont selon témoignage moun qui dans zone yo. Et puis tu as gagné moun qui t'est présenté dans nos ambassadeurs haïtiens, ou bien consul haïtien dans zone ça. Et lui-même, il te fait connaître que 5 haïtiens qui étaient là-dedans, yo pas ouais yo. Mais ça n'a pas empêché que l'autorité dominicaine, yo même, yo continue à cacher. Et malgré quelques dominicains dans zone là, et qui dit oui c'est vrai mais ça pas empêché qu'yo même yo cachel et quelques journaux tant que listing Diario Libre qui travaille pour gouvernement dominicain qui était déjà publié l'article ça qui éliminer article là et pour faire connaître que c'est pas ta vraiment pas ta gagner alors yo éliminé sans condition sans commentaire. J'ai international fixé sous ça il y a pile quelques bons samaritains tout dominicains qui mandé qui s'est fait avec corps haïtien ça qui t'a arrêté en bas en balle et propriétaire et institution tout à fait connaît que pas gagné pas de nationalité haïtien cap travail mais selon quelques monde qui t'a suivi qui t'a observé il fait connaît que ouais t'es 5 travailleurs haïtiens qui t'a travaillé dans remodernisation en dedans mais dans d'ailleurs tu ouais dès que sorti mais l'autre 3 yo était en bas des comptes. Yon monsieur qui identifie le comme un représentant ambassade haïtienne en République Dominicaine fait connaît au moins 3 sous 5 haïtiens qui tape fait travail reconstruction dans magasin multimeubles et qui est tombé mercredi dans province La Vega en bas des combles. T'a gagné et 5 cap travail, il dit 5 cap travail ici là. Et deux t'es quitté, tu t'es quitté retiré dès là dedans mais t'a gagné 3 qui toujours là. Et cependant, mon yo plus parler de Jessica Bueno, mais yo pas parler de l'autre yo. Et te dit étranger qui était interviewé mercredi a pa yo prise nouvelle dans région Noa et sorti dans site effondrement. Même Jean Tou Rafael Sanchez, yo nan résident dans zone nan, Guy Rafael Sanchez c'est yo nan résident dans zone nan et li témoigné que l'itéwè citoyen haïtien a travaillé dans un moment côté effondrement était fait là dans moment tremblement dans moment terremoto à côté Canada wal kazia tu as gagné 5 haïtiens vraiment qui t'a travaillé là-dedans moi t'étais yo
te gen 5 et puis yo te prend 2 seulement. Li wè se 2 yo te tire nan moun sa yo, mais l'autre 3 yo pa jan wè yo. Mais cependant, autorité dominicaine yo continue caché quantité haïtien ki perdi nan espace sa. Là, on t'a posé question sur situation mercredi soir. Juan Manuel Mendez te dit les pat connaît information ça. Et puis pour aller en tout quel que soit monnaie qui là, nous pas distinguer protection civile, assistance humanitaire. Les pas distinguer yon citoyen haïtien. Mendez te dit après sauvetage Jessica Benoit. Après Jessica Benoit qui yon pas découvert bien tout monde tant qu'on nationalité haïtien là-dedans. Cependant selon entourage ta gagné trois nationalités haïtiennes qui rit en bas des combes. Jeudi ça, Kelvin gagné dans moment hier jeudi a gagné Kelvin Clous magistrat hier jeudi 19 janvier 2023, gagné Kelvin Clous magistrat la Vega côté lui-même il était exprimé que dans circonstances et tant que ça yo qui était rivé à li habité bay jugement valè ak opinion ki correspond ak vérité a ou soit et ou pa ki comment ki pa jam autorité yo rete ansete nan kalite sa commentaire parce que tout sa yo di yo ka considéré comme un rapport officiel li dit tout alors même jan tout li te exprimé que information officielle yo que jusqu'à présent c'est et te seulement 6 moun yo pral croiser ak l'autre opinion yo nan rimologie et qui jusqu'à présent pas correspond ak vérité a et pour nous parce que qui va correspond ak vérité a pour nous parce que yo pa gen aucun endossement technique ou soit officiel ak pouwe si citoyen haïtien sa yo que yo mentionné certainement ou soit yo pat la nous tande bien. Après que yo wè quantité haïtien ki mouri nan espace sa, yo même yo continue nier que pa de gagné haïtien ki té là vraiment. Est-ce que nous wè comment moun yo méchant mes amis? Est-ce que nous comprenons tant? Yo continue nier que té gagné haïtien ki là. Commenter, partager et puis partager vidéo dans tout groupe WhatsApp, Facebook comme ça plus moun capable rejoindre nous sur même plateforme ça. Avant tout, on profite pour nous dire avec ou même qui té déjà et dans plan régularisation là qui était et qui plan qui pour renouveler depuis 2020 sous pas fait ou a des problèmes avec lui mais ou permet tout juste tout mois ça que tout mois ça arrivant pour continuer renouveler sans passe pied sans et passeport mais faut que nous bon avocat pour faire le bout.